Bon, vous avez toujours pas trouvé le jeu qui me fera rêver, hein. Voilà, quoi. C'est quoi, Crunker.io? Je sens que c'est de la merde. Je vous jure, si ça m'envoie sur un truc pornographique roumain, je vous défonce. Crunker.io. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, on va tester. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Click to play. Mais qu'est-ce que c'est que ta merde, là? C'est... Mais vous foutez de ma gueule ou quoi? C'était un kill, ça, ce que j'ai fait, là? Allez, c'est bon, j'ai fini. E-sports, ranked. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est quoi ce jeu? Pourquoi je me suis fait niquer par le pape Jean-Paul II, mon gars? Ouf, le coup critique. Bah, mon gars, defeat quoi? Comment ça, defeat? Ouais, bon, nique ta mère. Bon, allez, c'est de la merde. Ok, suivant, un autre jeu. Ah, mais on a regardé l'autre jour, ouais. Oh, puis la Première Guerre mondiale, quoi. Enfin, j'ai l'impression de voir tous les toujours le même jeu, quoi. Oh, franchement, pff, ça a l'air cool, tu vois, mais c'est toujours pareil, en fait. Ça a l'air chouette, hein, mais bon... Ça vous le fait pas, vous aussi, la Première Guerre mondiale? Ça vous... Et de Seconde Guerre mondiale, vous en avez ras-le-bol, sérieux? C'est relativement beau, ouais. Hein. Franchement, la Killfeed, on dirait trop Battlefield, quoi. J'ai l'impression de revoir les mêmes jeux. Va voir Frive. Mais c'est quoi Frive, mec? C'est vraiment un jeu ou... Frive? Mais tu te fous de ma gueule, mais c'est des jeux... Mais il se fout de ma gueule, l'autre. Eh, nickel-le, l'autre. C'est des jeux flash, quoi. Eh, mais nickel-le dans le chat. Vraiment, défoncez-le. Ah, j'en ai rien à... Bannez-le, tu le bannes. Bannez-le! Ça, c'est bien, on va récupérer les verres. Et donc, alors, par contre, ce qui est con, c'est qu'on peut pas tout voler, tu vois. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Après, je pense que, voilà, encore une fois, c'est pour la déco. Day before, j'en peux plus. Quoi, day before? Quoi, j'avais pas vu avant de pas la peine de balancer du... C'est quoi, day before? Il y a un mois, mais il est pas sorti, celui-là. Il est pas sorti! C'est le The Division pour adultes. Il a l'air bien, ouais. Il sort quand? Il a l'air cool. Ouais, il a l'air cool. Mais bon, tu vas voir, il va se faire encore... Un monde post-apocalyptique détruit par un virus. Bon, déjà, autant dire, on est au summum de l'originalité. Hein. Jamais j'ai entendu parler de ça. Hein. Bon, c'est joli, en tout cas. Il a l'air incroyable. Non, mais vraiment, bon, je plaisante, mais il a l'air cool. Non, mais personne ne joue comme ça. Qu'est-ce qui m'énerve dans les trailers, là? Shall we split up? Yeah, go. Hey, how you doing? Oh, did you see that bird? Oh, that's amazing. Personne ne joue comme ça. Find out what's in the skyscraper. Yeah. Okay, and I'll look around here. Let's see what we have here. Great cowboy hat. Yeah. Oh. Tell her everything's all right. Oh my god. En tout cas, c'est beau. C'est beau. Alors, je sens qu'il va se faire downgrade, le jeu. Ah, c'est simple. Et on va savoir s'il va se faire downgrade. Ils vont sortir sur console ou pas? Juste pour savoir, hein. Bien sûr. Aucune médisance. Hein. Ou c'est un jeu PC only? Tu crois pas? Bon, bah alors, ils vont pas le downgrade. Non, parce qu'après, il faut s'habituer par rapport, tu vois. Souvent, parce qu'en fait, ils vont te balancer des trailers de trucs de ouf qui sont faits sur des PC, représentés par des PC, montrés, qui tournent sur des PC et tout machin. Et puis après, tu sais, il y a trois mecs qui se réveillent dans le studio et qui se disent hey, il faut la version pour console. Ça t'enlève. Non, le mur, là, enlève-le. Non, mais vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Il y en a qui sont sur console ici ou pas? Non, je veux pas, parce que si le jeu sort sur console, j'aimerais pas que vous soyez déçus. Du coup, on va le mettre comme il sortira sur console. Ouais, voilà, comme ça. Juste pour que vous disiez... Ouais, quoi. Il sortira exactement comme ça. Il joue à la manette, en revanche. Donc, ça va peut-être sortir sur console, le jeu. Il joue à la manette. Vous savez comment on reconnaît? Voilà. Victime de banane, trois pamplemousses. C'est bon, les mecs. Le jeu sortira sur console, c'est sûr. On a la confirmation. Non, mais c'est vrai. En plus, regarde comment il se tourne. Il joue à la manette. Oh putain, la vache. Ça a l'air beau. Ready or Not, mais Ready or Not, j'ai regardé, ça avait l'air naze, quoi. Je sais pas si ça a évolué, sérieusement, mais Ready or Not, ça a l'air d'être un...
Enfin, quitte à jouer à Ready or Not, autant jouer à Escape from Tarkov, quoi, tu vois. C'est mieux réussi, quoi. Mais si demain, Tarkov se mettait à mettre des charges sur les portes, rajouter une petite dimension un petit peu plus moins guerre et plus intervention, je pense que t'as ton Ready or Not réussi, quoi. Mais la dernière fois, quand on avait regardé les trailers de Ready or Not, tu disais, waouh, ça... Je sais pas, il y avait des... Ça a l'air un peu moche, hein, vraiment, hein, ça a pas l'air ouf. Vraiment, quoi. Il, si tu vas pas regretter. Je te jure, je te jure, si vous me proposez de la merde encore, vous prenez un ban. Il, il y a un mois. Il y a un mec sur la route. Jesus. Ok, bon, c'est une tribu de cannibales qui visiblement n'ont aucune connaissance du code de la route. Je le dis juste pour les gens qui habitent aux États-Unis et qui regardent le live, ne faites pas ça dans vos écoles. Disclaimer, on sait jamais. Mais comment veux-tu que je joue ça, mon gars? Tu sais que je suis une putain de flippette ou pas? Il faut que je le dise en quelle langue? Attends, le mec, il est vraiment... Il a pas réussi à choper des chaussures. Tout va bien. Tout va bien. Le premier truc, quand je vois un environnement comme ça, à mon avis, c'est de trouver des choses. Ça a l'air bien fait, cela dit. Le ragdoll... In Silence à plusieurs, c'est cool. Arrêtez avec vos jeux qui font flipper, putain! J'ai joué 4 minutes à Outlast! 4 minutes, j'ai tenu! Ok? Merde! Je peux pas jouer à des jeux qui font flipper, ça me fait flipper, en fait! Et je comprends pas le but de jouer à des jeux qui font flipper, ça fait flipper! En fait, ok? Et j'aime pas perdre le contrôle, moi. Ça m'énerve. Ground Branch? C'est quoi, Ground Branch, man? Ground Branch? What? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tarkov après le vaccin, quoi. Mais ça, c'est encore un mec qui a pris Unity et il a fait son truc dans son jardin. Regarde, c'est le on dirait le truc de Phasmophobia, quoi. What? Les anciens développeurs des premiers Rainbow Six? What? Blackfoot Studio? C'est qui ces mecs? Jamais entendu parler de ce jeu, mais c'est ouf! C'est les anciens de Red Storm Entertainment! Red Storm, c'est effectivement, c'est les premiers Rainbow Six, avant qu'ils se fassent racheter par Ubisoft. Attends, je vais voir du coup. On dirait trop, tu sais, genre, c'est Phasmophobia, et ils en avaient ras le cul et tout, des EMS machin, et là ils envoient le SWAT, quoi. Bon, c'est bon, messieurs? Oui, monsieur. On va essayer. Allez. Heureusement que je me rase. Wow! Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais. C'est les anciens développeurs de Rainbow Six ou c'est les actuels développeurs de Rainbow Six? Non, parce que c'est la même E-Treg. Hein. Ça touche pareil. Hein. Donc, je rappelle, hein. Je ne fais que... Qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde? On dirait la version intervention de Phasmophobia, tu sais. Là, c'est déjà un peu plus joli, quoi. Et ils auraient jamais dû faire un truc à l'extérieur, ça pue du cul. Tu vois, ils auraient pu faire ça, tu vois, en mode... on dirait du SWAT, quoi. Là, c'est pas mal. Là, tu vois, ça pourrait être cool s'ils se prenaient des grosses têtes parce qu'ils décalent comme un Toto des îles, quoi, tu vois. Parce que l'une des particularités du premier Rainbow Six, c'est que c'était extrêmement difficile, quoi. D'accord, ok, mais est-ce que vous mourrez de temps en temps? Moi, je veux juste savoir si en face, si tu prends une ligne pendant trop long, trop... Voilà, quoi. Si c'est difficile ou si les mecs, c'est juste des totos, quoi. Zéro hour. I'm with you. Bah oui, il est en face de toi en fait. C'est quoi cette entrée là? Regarde les pieds. Oh, c'est too much. C'est too much. Je peux pas. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment
de la merde. C'est vraiment de la merde. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Mais c'est vraiment de la merde, non? Non, c'est de la merde. Je suis désolé. Les battements du cœur. En fait, ils essayent tellement de nous mettre dedans et tout, machin truc. Franchement, si à la limite, c'était des étudiants en école de design qui sont en train de faire un jeu pour leur stage de fin d'année, je dirais OK, d'accord, tu vois, bravo, magnifique. Mettez-le dans le ArtStation et envoyez-le, c'est bon, quoi. Mais là, franchement, ce Southland... Non, c'est nul. Bah oui, c'est comme ça. Oui, franchement, c'est réaliste. Il y a une grenade, il y a un fil, tu tires dedans. Regardez, mon rythme cardiaque est en train de tomber à 55 tellement ça m'emmerde, quoi. Je suis dans le bleu, quoi. Je vais décéder tellement... Est-ce qu'on peut revoir ce ragdoll quand même? Le jeu est censé être réaliste ou pas, sérieusement? Et on a tellement rien à se foutre sous la dent en ce moment que tout le monde est en train de dire « Oh, c'est génial !» Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Regarde ça! Mais qui fait ça? Qui meurt comme ça? Personne ne meurt comme ça! Oh non! C'est réaliste, je trouve, qu'il a dit. C'est réaliste, je trouve. Mais personne ne meurt comme ça. Personne. Ce n'est pas possible. Zero Hour, c'est... Franchement, Zero Hour, pour le moment, le titre est bon. C'est le temps que je vais passer dessus. Hein. C'est mon gars, Zero Hour. Zéro réalisme. Zero Hour de Mais honnêtement, à la limite, je préférerais Ground Breach, quoi. Ground Branch. Quitte à jouer un des deux, je préfère un jeu qui, sur lequel des mecs ont déjà fait du Rainbow Six avant, donc les anciens de Red Storm Entertainment, et d'avoir un truc un peu plus simulation, quoi. Même s'il est pas beau. T'as regardé Squad? Ouais, mais Squad est moche. Voilà, quoi. Squad, c'est moche. Voilà. Squad, 2021, mec. C'est ce que je veux dire ou pas? Ça a l'air bien, ça a l'air cool, ça a l'air relativement réaliste, voilà. Et quitte à avoir une simulation, enfin, regarde ça, quoi. Enfin, moi, je peux plus, quoi. Non, je dois être un vieux con, ça. Franchement, de laisser tomber, hein. Je suis irrécupérable. Franchement, c'est, y a pas de... Je joue pas à une 3080 pour jouer à un jeu... Non? Quitte à jouer à ça, autant jouer à Arma 3, hein. Le jeu a l'air d'avoir une super communauté, etc. C'est juste, est-ce que tu peux comprendre derrière le côté quitte à jouer à un jeu qui se veut réaliste, j'ai quand même envie qu'il soit relativement beau, tu vois ce que je veux dire? Et la première fois que j'avais joué à Squad, j'avais fait « Ok, putain, j'ai envie de me mettre dans un truc un peu RP, tu vois, machin. » Mais même avec une dimension quand même un peu compétitive, dans le sens où t'as envie de gagner quand même tes parties, tu vois. J'aimais bien le côté stratégique et tout. Regarde, j'ai l'impression de revivre mes cours à Saint-Cyr. Je trouve ça cool, tu vois. Mais c'est moche. Le jeu est moche, quoi. Le graphiquement, il est moche. Et ça, j'ai du mal, en fait. Ça, j'ai vraiment trop du mal, quoi. Alors, je sais que le graphisme ne fait pas tout et tout, mais voilà, quoi. Hein? Voilà. Même un Escape from Tarkov en lot n'est pas aussi moche que ça, je trouve. Mais ça, c'est vraiment moi, hein. Désolé, quoi. Le jeu est franchement, dans les mécaniques, il a l'air vraiment cool. Pour une fois, du coup, ils sont pas partis dans une espèce d'excentricité. Ça a l'air assez réel, quoi, tu vois. Mais c'est dingue à quel point il y a quand même une demande exceptionnelle de la part de personnes qui aimeraient avoir un bon jeu, je pense, PvE co-op, de type l'évolution 2021 de ce qu'on pourrait attendre d'un SWAT 5, en fait, quoi. L'évolution de SWAT 4, quoi. J'ai regardé Ready or Not, le trailer. Je faisais, ok, bon, bah, Ready or Not, visiblement, plutôt note que pas, en fait, quoi. That's such a shitty fucking design game mode. He's done. How did I win? Le mec, il prend une balle entre les deux yeux. Entre les deux yeux. Avec un petit 45. You ain't entering this premises. To be interested in. Elle est tous, a l'air trop bien. Mais j'en ai ras le cul de la Seconde Guerre mondiale, mon gars. J'en ai ras le cul. Si j'ai perdu toute foi en l'humanité, c'est mort. Et bah, en fin de compte, et Rainbow Six, et Ready or Not, bah, je pense qu'on a la réponse. Pas vraiment, en fait.